les principes de tenue d'une comptabilité. C'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, nous voulions évaluer ensemble. Yeah. Donc, les principes comptables. Il y a deux principes. Les principes généraux et les principes techniques. Donc, on a deux grands concepts. La régularité des comptes et le principe de sincérité. La régularité des comptes, c'est quoi? C'est un principe qui signifie que la tenue des comptes doit être conforme aux règles de l'art habituellement suivies en comptabilité. Exemple, respect de la règle de la partie double. Le principe, qui est la partie double? Qui est le principe de la partie double? Hein? C'est ça. Hein? De qui? Ah, qui a du Covid, Delphine Ahmed, Sahir, Delphine Ahmed, Akhir. Elle a pendant 2 ans. Il y a des choses derrière. Plus j'avance, plus je le constate. Parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes des S1. S1, S2, vous êtes un équipe. Aïe, t'as une sur le point. Vous m'en récupérez. Pas mal. Vous êtes à votre dernière. Je veux la définition qui est la règle de la partie d'eau. Je la veux pour la semaine prochaine. Tchad. Vous êtes des comptables, Tchad. Je ne sais pas. Parmi vous, derrière un cursus de comptabilité, ou la financière, ou la gérante comme ça. Donc, le deuxième principe, c'est le principe de la sincérité. Il condamne les inscriptions mensongères, les trucages de la comptabilité. Pratiques réalisées pour masquer une mauvaise situation économique, soit aussi pour dissimuler une pratique illégale, soit pour se livrer à des pratiques illégales. Définition, c'est quoi une comptabilité? Yala, qui peut me définir une comptabilité? C'est quoi? En 2-3 mots. La comptabilité est la constatation algébrique en valeur monétaire des flux économiques, traduisant les activités d'une entreprise. L'exercice comptable s'accorde avec l'exercice fiscal. Je ne rentre pas dans les définitions. Alors, les instruments comptables. Maintenant, les livres de compte, ou maintenant, les comptes annuels. À quoi servent les livres de compte? Point 12 de la définition. À quoi servent les livres de compte? Hein? Livres de compte, qui reprennent les comptes de la société. C'est des livres de compte. La définition qui est la plus haute. Et les comptes annuels, c'est les comptes de l'année. Quand ils ont une fois par année, mais dès qu'ils ont un jeton de bilan. D'accord? Les livres de comptes, ils sont détaillés en 3 ensembles. Le livre journal, le grand livre, et le livre d'inventaire. Les définitions, n'est-ce pas? Les comptes annuels. Ces documents de synthèse se décomposent en 3 éléments formant un ensemble. Le bilan, les comptes de résultats, l'effet des produits et des charges, et les annexes. Je ne sais pas si tu as un peu de détails. Je ne sais pas si tu as un peu de détails.
Ces trois séries de documents doivent être conservés par l'entreprise pendant au moins 10 ans. Le rôle de la comptabilité. La comptabilité donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, si elle est tenue de façon régulière et sincère. Elle a une force probante, la comptabilité régulière maintenue et admise en justice comme moyen de preuve. La publicité légale. C'est quoi la publicité légale? On a affaire à la publicité légale, pourquoi? Quelle est la procédure pour créer une société? Quelle que soit la société, qu'est-ce qu'on fait? En premier, ça a une connotation avec la publicité. C'est pour ça que je pose la question. Restons que dans le sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut créer une société? Quel est le process? Derna kulchi. Khtarina la kabellana. Khtarina le capital, khtarina le siège, khtarina les associés. Khtarina le certificat, le nom, le certificat négatif. Ashkandero. Quand on a ces éléments câblés, hein? Je n'ai pas dit à l'enregistrement. Avant, tu enregistres quoi? Les éléments que l'on met, ils sont transcrits sur quoi? Deuxième enregistrement. D'abord, aujourd'hui, on veut parler de publicité, mais j'ai compris la publicité. Quand vous voulez vous créer, comme un exemple, vous créez une société. Pour identifier d'abord tout le monde. Hashtag. Thomas Zadito, vos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait deux choses. D'ailleurs, Subo, c'est une publicité. Alors, là, c'est un commerçant qui fait sa déclaration lui-même. Il doit l'identifier
mais propre à lui. Et malgré ça, là, qu'il y a l'enseigne, qui se met à l'eau de Mohamed, qui se met à l'Ismia, qui est le maroc d'Ismia. C'est le pire des choses. Une fois qu'on a les statuts, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre l'acte pour lui donner une valeur sur moral l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la publicité. Fin. Bulletin officiel et l'annonce légale. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on retourne. Qu'on chose registre de commerce. Qu'on dire tout le côté fiscal pour avoir un identifiant fiscal. Mais il nous faut aussi une reconnaissance pour le registre de commerce. Une identité. Donc, qu'on chose qu'on retourne le statut pour le tribunal de commerce. Pour avoir un numéro. Qui m'a démenti la carte nationale. On vous est déterminé en tant que citoyen belge. Vous la seriez. On est pour la fac, mais peut-être qu'elle est. Dis-moi avec une autre identification qui est en relation avec ton activité. Et là, donc, en plus de, en tant que citoyen marocain, nous sommes identifiés par une carte nationale. Qu'elle se met à la carte d'identité nationale. Mais dès que j'ai l'université, on t'identifie par rapport à un numéro. Mais dès que tu gères le commerce, on t'identifie par rapport à un numéro qui est en rapport avec ton activité. Donc, il y a un numéro qui est un numéro. Le mhab, c'est le numéro. Il y a un numéro qui est le numéro. Il y a un numéro qui est le numéro. Il y a un numéro le registre. Il y a un numéro qui est le numéro. Il y a un numéro qui est le numéro. Donc, on est toujours accaparé par un numéro, on a l'impact d'un numéro. Donc, même une société, même si elle est très forte, elle est, qu'elle dit, elle est en publicité légale, dans un journal d'annonce légale et dans au bulletin officiel. Et notre comptabilité est tenue en rapport avec la process. D'accord? Retenez ça. On a le petit combien, je me comble. Et il y a les gens qui ont été trouvés demain, les bénéficiaires. Je demande à qu'il y a un cycle d'expertise. Vous les direz les finances, vous les direz un master, on ne sait pas quoi. Et vous allez être demain, pour la vie active, peut-être un expert comptable, peut-être un comptable, peut-être un financier, peut-être dans les ressources humaines. Et vous devez avoir les outils adéquats. Vous devez savoir comment créer une société, quels sont les outils pour créer une société. Vous devez savoir lire un bail commercial. Vous devez savoir lire un bilan. Vous devez savoir lire des statuts, vous devez savoir lire un PV, un procès verbal d'Assemblée Générale. Tout ça, c'est des outils qu'on vous donne à l'université. Mais je vois quel fiduciaire il est. Je sais que quel. Parce qu'il est avec le fiduciaire. Il est passé par là, il était à ta place, il a appris le métier maintenant. Ce n'est qu'un début. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Un malabri qui l'a facilité, c'est lui qui s'est d'art. Quand tu fais des séries, ça va vous le problème, c'est que tu ne vas pas savoir te protéger. Et vous aurez un rôle à jouer dans les entreprises qui vont vous embaucher. Puisque peut-être, tu vas travailler dans. Maman, sinon, vous voulez un job, je gagne. Moi j'ai un temps pour faire les mots. Malgré ça, quand on me pose une question qui est en dehors du coup, je réponds. Donc la publicité légale, le
commerçant est tenu de procéder à des publications, bulletin officiel. Comme j'ai dit à l'ensemble des frères, comme on l'a fait, comme je veux, pour le prochain cours, 4 ou 5 personnes, il me détermine à avoir le process pour créer une société. Je m'en fous de la forme. Vous me dites exactement les étapes. Quelles sont les étapes pour créer une société? On démarre par quoi et on termine par quoi? Et les délais, c'est très important, les délais. Donc le commerçant est tenu de procéder à des publications au bulletin officiel, au journal d'annonce légale. Cette publicité présente un intérêt pour les tiers. Pourquoi elle présente un intérêt pour les tiers? Pourquoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être opposable au tiers? L'opposabilité. Là. Ok, donc. Notez le terme. Opposition, opposabilité au tiers dans le cadre d'une constitution de société. Et quand est-ce la société devient une personne morale? Ainsi, quand le commerçant s'inscrit, on lui a titre un numéro grâce auquel on va retrouver toutes les choses le concernant. On connaît ainsi l'état d'endettement de la société. Ici, et si une procédure de redressement d'une caisse judiciaire est lancée, à sa rencontre. Quand on termine le process des étapes de constitution d'une société, quand il y a le démarrage de la société, pour vous voulez, je ne sais pas, commercialiser avec une société X, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez un modèle 7, ce qu'on appelle un modèle J. C'est l'identité complète de la société. Vous faites une demande digitale, d'abord, vous l'êtes digitale. Auquel dirons les références de la société, 24 heures après, qu'il y a donc un document, il y a un casier judiciaire. Allez là, petite, je ne sais pas, vous voulez vous inscrire dans une profession X ou Y, on vous demande le casier judiciaire. La même chose pour la société. C'est-à-dire que l'identité de la société, l'école, le capital, qui l'administre, le siège social, etc., etc., et la forme de la société. Au verso, qui est donc quel est l'endettement de la société. Il est qu'un salarié agent, il est qu'un état un redressement, il est qu'un état un anéantissement de commerce, etc. etc. Quand on a la situation exacte, autant la situation de la société au niveau identitaire qu'au niveau financier. D'accord? Le registre de commerce, vous voyez ce qu'il en est là. Le commerçant doit s'immatriculer au registre de commerce. Ce registre est tenu par le greffier du tribunal de commerce. Dans tous les tribunaux du commerce, il existe un registre où sont inscrits tous les commerçants qui relèvent de la juridiction commerciale. Les obligations fiscales, le paiement d'impôts, vous n'avez qu'à lire, les différents impôts légués, la diversité des impositions dues par l'entreprise. Il y a l'imposition sur des bénéfices et la. Voilà. Il est toujours connecté. Hein. Diversité des impositions. Il y a l'imposition des bénéfices, l'imposition qui prête pour assez d'activité même de l'entreprise. Voilà, ben, la TVA. C'est un impôt. Ouais, maintenant la taxe provisionnelle. Il y a l'influence de la fiscalité sur l'activité d'entreprise. La fiscalité exerce une influence directe sur l'activité d'entreprise et n'est plus simplement une conséquence de cette activité. Elle fait le choix de la forme de l'entreprise, associative ou en société, société civile ou commerciale, etc. Et souvent en fonction de considérations fiscales. Et quand on démarre une entreprise, on préfère démarrer petit, à l'âge, parce qu'il y a beaucoup d'exonérations fiscales. Donc on démarre petit pour s'accomplir. Plus la société prendra la forme qu'il faut, plus on changera le stage. Maintenant, le fonds de commerce. Qui peut définir le fonds de commerce?
Quand tu prends la parole, tu dois définir. Tu dois le dire dans un cadre bien précis. Tout ce que tu dis est juste. Pour qu'il ait dit, c'est de la culture générale, bien. Et il est dit dans un de grands moments sur les grecs, mais si vous voulez voir le grand commerce, tu vas le reprendre comme ça pour toi. Parce que voilà, je suis le maïkan, je suis ton propre. Et maintenant, je suis là, à l'université, donc quand tu vas parler et me donner une définition, il faut me donner une définition qui soit claire et qui reprend la définition légale. Mais tout ce que tu dis, c'est de la culture générale, c'est juste. Maintenant, t'as ouais. Ces caractéristiques qui sont justes. On est qui dans un cours magistral, si tu réponds comme ça, elle, sincèrement, je ne veux pas bien te noter. Allège. Mais dans le fond de commerce, c'est un dossier intermédiaire, corporel, incorporel, inter. Tu es en train de quand tu as dit déterminant une terminologie juste. Mais il faut aller encore vers la profondeur de la chose. D'accord? C'est comme ça qu'on doit répondre. Parfois, tu as d'abord c'est bon. Yeah. Ok, quand tu vas m'écrire, maintenant je ne vais pas retrouver la définition exacte. D'accord? Ça là, il ne sort plus, je ne comprends pas pourquoi ça sert à rien. Donc, la vente commerce, c'est une notion juridique, utilisée principalement en matière commerciale. Et faisant référence à un ensemble d'éléments corporels. Stock de marchandises, matériel, à nouveau les éléments corporels. Le stock de marchandises, de matériel, de mobilier, des outils, etc. etc. Et incorporel, je m'en vais les incorporels, pourquoi qu'on ne peut pas toucher. Mais la clientèle, l'enseigne, le contrat de travail, licence administrative, la réputation qui est d'être le commerçant, le droit au bail, la chambre d'achat, non, la chambre d'achat. La chambre d'achat, je vois avec le client de passage. Quand les étudiants de passage, j'ai dit que 5 minutes, ok, je suis là. Alors que le client qui connaît le dos est une liaison vers le commerçant, qui dit au qui connaît le dos un truc contractuel. D'accord? L'indissociable constitue en vue de faire fonctionner une activité professionnelle destinée à attirer une clientèle dans le fait de vendre. Donc un fonds de commerce, il est en rapport avec la vente. Je vends un produit. Je vends quelque chose. C'est pour ça que je crée un fonds de commerce. D'accord? Et le fonds de commerce qui regroupe les éléments corporels et les éléments incorporels. Rien à dire. C'est de la richesse, c'est vrai. C'est les éléments corporels, c'est vrai. Et qui va t'en montrer, je la définition. La note. La note. Non, travail. Ah, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Mais la définition, c'est le fonds de commerce est considéré comme un bien meuble incorporel et doit lui-même être distingué de l'ensemble des éléments qui le composent. Un fonds de commerce peut être vendu, nanti, loué, apporté au capital d'une société en échange d'actions ou de parts sociales de cette société. Un fonds de commerce, il a dit votre collègue, c'est un patrimoine, c'est de la richesse en plus. Quel est le commerce? C'est pour ça que quand on a un patrimoine, avec le patrimoine, on perd ce qu'on veut. Quand on acquiert une maison, ça devient une propriété. Une propriété privée que tu peux garder, que tu peux vendre, que tu peux louer, que tu peux hypothéquer. Tout ce qui est commercial, on ne dit pas hypothéquer, on dit nantir. On peut hypothéquer, quand est-ce qu'on hypothèque une maison? Allez. Allez. Je n'ai le mot hypothéquer. Hypothéquer. H-Y-P-O-T-H-E-Q-U-E-R. Un bien, on hypothèque. Allez. Oula, c'est une garantie, c'est vrai. Oula, quand on achète une maison,
On se fait financer par une banque. Qu'est-ce qu'elle fait la banque? Elle dépose exactement le bien. On garantit les droits du souverain. Quelle tâche est-ce? En cas au-demain ou après-demain, si vous ne payez pas, elle vend le bien pour récupérer ses fonds. Mais il y a une procédure judiciaire à respecter. Donc là, quand on parle de fonds de commerce, on parle de nantissement. Quand on a besoin d'un fonds de roulement pour démarrer une activité commerciale, qu'est-ce qu'on fait? On donne l'origine de commerce en nantissement à la banque qui vous prête de l'argent pour que vous puissiez acheter des produits ou là passer des commandes avec des fournisseurs. Vous catapez, vous hypothéquez, vous nantissez soit les murs, soit le fonds de commerce. D'accord? Vous avez compris? Donc c'est pour ça que il peut faire, le commerçant peut faire ce qu'il veut de son fonds de commerce. C'est pour ça que je vous ai énuméré toutes les possibilités d'utilisation du fonds de commerce. Il peut le céder, c'est-à-dire le vendre, nantir, le donner en garantie, louer, location, gérance, apporter au capital, et tout à l'heure, il dit, lui, une augmentation de capital, son fonds de commerce. Il va l'évaluer, il va dire qu'il coûte 100 000 dirhams, il va apporter 100 000 dirhams à son capital pour augmenter le capital, pour avoir, peut-être que la banque, le rouleau, il faut que vous augmentez votre capital à 300 000 dirhams, il était à 200, pour que je puisse vous prêter de l'argent à hauteur de 500 000 dirhams. Et il est obligé d'apporter son fonds de commerce qu'il évalue à son capital pour pouvoir bénéficier d'un le prêt. Ils sont compris dans la vente aussi bien les éléments corporels que les éléments incorporels. Et le prix de la vente est fixé par un accord négocié entre le vendeur et l'acquéreur. Ça, quand on passe à la vente. La cession d'un fonds de commerce suppose l'accomplissement d'un certain nombre de démarches administratives, notamment les formalités d'enregistrement et de paiement des droits de mutation. Donc automatiquement, quand on vend, on paye l'enregistrement et on paye les droits de transfert. Quand on achète une maison, par exemple, on paye l'enregistrement et pour les droits d'enregistrement et on paye la conservation foncière pour le transfert de propriété de l'USMED. Il est chez l'Italien, je suis obligé de payer l'enregistrement chez l'USMED. Il dit A ou B, le titre foncier est en votre nom, mais quand je l'achète, le transfert de propriété se fait après paiement des droits d'enregistrement et des droits de mutation. C'est-à-dire, pêche, le transfert de propriété puisse s'effectuer au moment. Après, je dis A, nous les NAB. Et ainsi de suite. La cession d'un compte commerce suppose l'accomplissement d'un certain nombre de démarches. La cession d'un compte commerce entraîne pas celle des dettes. Et créance, exception à la continuité des contrats de travail en cours de solidarité fiscale pour les impôts d'année, etc. etc. La valeur d'un compte commerce est généralement estimée par rapport aux ventes réalisées ou réalisables en nombre de mois de chiffre d'affaires ou bien en fonction de la notion de rentabilité dégagée par exemple. Donc la valeur d'un compte commerce est la valeur des marchandises, la valeur de son chiffre d'affaires et la valeur de son stock, le chiffre d'affaires. Il y a la vraie valeur. Mais on ajoute à ça les dettes. Parce que pour avoir la valeur exacte, il faut enlever les dettes, mais l'actif, le passif, mais l'actif. Et on a la valeur réelle, le résultat net, le fonds de commerce. Il ne faut pas confondre le fonds de commerce avec l'immeuble dans lequel il est exploité, les murs. Par exemple, le fonds de commerce à l'intérieur de l'Alana, il y a les murs. Les murs, ils appartiennent à l'université. Le fonds de commerce, au moins de l'État, etc., etc. Je ne sais pas si le fonds de commerce, les murs appartiennent au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, mais les chaises, les tables sur lesquelles vous écrivez, le micro, les lunettes, les taux, etc., ils peuvent appartenir à une entité créée par l'université. Diana, c'est quoi le fonds de commerce? C'est elle qui s'occupe de l'achat, avec l'entité qui est propriétaire du fonds de commerce. Alors que les murs appartiennent au ministère. Peut-être. Je suis en train d'extrapoler.
Les éléments constitutifs d'un fonds de commerce, dans le fonds de commerce, est considéré comme un bien mobilier, incorporé, et donc il s'inscrit au. Il s'inscrit de l'actif, immobilisé du bilan. À deux, c'est des écritures, vous devez savoir les deux. Ces composantes varient en fonction d'activité et sont constituées des éléments suivants. Les éléments corporels, le matériel et l'outillage, un ticket à l'eau et le stock. Les marchandises. Alors ça, c'est bien détaillé. Malheureusement, ça ne sort pas, c'est bien détaillé. Les éléments incorporels sont généralement prédominants, mais difficiles à quantifier et à évaluer. Ce sont ceux qui forment le cœur de la valeur d'entreprise. Ils peuvent être groupés selon 300 éléments. Éléments essentiels, éléments habituels et éléments occasionnels. Les éléments essentiels, je nomme les éléments essentiels d'un fonds de commerce. Il y en a qui me l'aiment. Il y a la base, il y a le poumon même qui est le fonds de commerce, la clientèle. Et bien en deuxième, l'achalandage, c'est les clients occasionnels, les désirs. Je vais être obligé d'acheter en fait. J'ai une tête en train là, alors que j'achète. Il y a des chats que je suis un doigt. C'est toi, je suis. J'ai l'habitude de. Quand j'ai un projet, c'est un magasin d'internement, mais il y a chez nous. Ça, c'est un client occasionnel, pas simple. Mais le client habituel, le market sale même. Élément habituel, l'emplacement et le droit au bail. Le nom commercial ou la marque. L'enseigne commerciale, donc les éléments habituels. Donc les éléments essentiels, c'est la clientèle et l'achalandage. Et les éléments habituels, c'est l'emplacement et le droit au bail. Le nom commercial ou la marque, l'enseigne commerciale. Les éléments occasionnels, c'est l'autorisation administrative, licence accordée par l'administration par exemple l'autorisation de vente d'accord, la propriété industrielle, brevet, marque, dessin et modèle, c'est l'ensemble d'éléments qui donnent droit à la propriété industrielle, logiciel, droit d'auteur, droit de propriété littéraire et artisanale, et droit aussi littéraire et artistique, notoriété historique d'entreprise. C'est une boulangerie qui porte un nom, qui porte une marque, qui a une histoire. Il dit que je ne sais pas, que chez les Danone, c'est connu, elle a une histoire. Il dit que chez des produits Coca-Cola, elle a une histoire. Ouzi. Et l'histoire d'ailleurs, elle rentre dans les autres éléments comme occasionnel. Le savoir-faire et la compétence. Vous allez vers quelqu'un qui a un savoir-faire et qui est reconnu et connu. On arrête au chapitre 5 des contrats relatifs au fonds de commerce, on les voit la semaine prochaine. Je vous enverrai le cours qui est le chapitre 4.